Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où je vous présente cette fois-ci le deuxième pack Super Nintendo sorti par l'équipe Edge.fr. C'est un projet qui a mis plus d'un an avant de sortir, à peu près un an pour être très précis, et il fait suite au deuxième pack. Le premier était le Secret of Mana 2 que vous pouvez trouver dans une vidéo précédente qui avait eu juste un franc succès. Il y avait eu, je crois, à peu près 22 packs qui étaient sortis, ils sont tous partis en moins d'une journée. Voilà, donc c'est le deuxième pack enfin avant de fermer la fameuse trilogie, comme un peu pour les Edge Mag. Cette fois-ci c'est Super Mario RPG qui est à l'honneur avec un design réalisé 100% par Iris et Darth Chris. Comparé à Secret of Mana 2 où on avait pris le design original qu'on a refait en HD, ici vraiment tout a été fait par Iris, supervisé par mes soins et réalisé par Iris et Darth Chris toujours pour la console. Tout est aussi respecté que pour le premier pack. On a même amélioré des détails, vous pourrez peut-être pas faire gaffe à ces détails là, mais pour nous c'était assez important. Le pack, qu'est-ce qu'il contient? Comme d'hab, un polystyrène fait par nos soins, une nouvelle fois. Un poster réalisé par Iris de A à Z, une nouvelle fois. Pas de modèle précis, peut-être de légère inspiration ici et là, mais c'est vraiment elle qui a tout réalisé sur ce poster-là. Donc il nous tenait vraiment à cœur parce qu'on trouve juste super classe, super beau. Voilà, donc il faut savoir qu'au total, il y aura 24 packs. Au total, il y en avait 28, mais bon, pour des raisons... diverses et variées, et notamment le mien. Il en reste 24 au moment où je vous parle. Le pack se constitue de la sorte. Il y existe deux consoles customisées de A à Z par Toshio Custom. Donc il y en a une qui sera pour moi évidemment, et une qui sera à gagner. Elles sont numérotées ces deux consoles là, donc elles sont plus que collector, exactement comme pour Secret of Mana 2. Donc une pour moi, une pour un futur gagnant dont je vous parlerai après. Vous voyez que les packs sont déjà prêts, on les réalisera toujours au fur et à mesure, il y a au moins 5-6 packs qui sont prêts. Je vous le répète, il y en aura 24 de disponibles. En tout cas, au moment où je vous parle, le projet n'est pas encore commercialisé, ça va pas tarder. Il y aura toujours ce premier pack à gagner avec la cartouche ici Mario RPG en français. C'est un pack qui nous a coûté extrêmement cher à réaliser parce que c'est un carte mode qui est assez complexe. Vous pouvez voir la manette personnalisée avec Rusénine ici une nouvelle fois. Donc juste dingue, un travail d'orfèvre, juste absolument dingue. La notice du jeu, donc le jeu en français comme je vous l'ai dit, c'est un pack à coûter hyper cher à réaliser, donc sachez qu'il y aura au final pas de gain dans ce pack là. Ça permettra juste de rebondir pour faire un futur projet, mais il n'y a absolument aucun gain. Là où dans Secret of Mana 2, il y avait une petite marge qui s'était faite, sachez qu'ici c'est même pas la peine. Le gagnant donc du petit... tirage au sort gagnera ce pack là que vous voyez à l'écran, une Super Nintendo avec donc le jeu Super Mario RPG, la notice traduite depuis la version officielle américaine, donc c'est exactement la même notice que la version américaine, sauf qu'on a tout refait, une carte du monde plastifiée fait par nos soins, et donc cette notice là, si vous prenez la notice américaine, c'est ben voilà, c'est la même, sauf qu'on l'a même améliorée encore, c'est pour vous dire, mais tout a été traduit en français par nos soins. C'est un travail de malade, vous pouvez pas imaginer le nombre d'heures qu'on peut passer là dessus parce que ça engage des graphistes, des techniciens, enfin voilà, plein de gens. La console est switchée par FF6man, je tenais à le dire, d'où cette petite notice qui est la même que celle de ceux qui ont le pack Secret of Mana 2, mais pour le coup on a changé la couverture, hein, c'est tout ce qu'on a fait, et puis la page de garde parce que où on parle de Mario RPG, pour dire que c'est un autre pack en fait, voilà. Donc on a changé, hein, pour ceux qui ont le pack Secret of Mana 2, vous voyez, une petite notice qui explique toute la puissance du Switchless. Mais une nouvelle fois, on a voulu faire les choses bien, faire les choses propres, et voilà, ça a quand même bien de la gueule, on peut le dire. Et on est très très fiers de vous sortir ce projet enfin aujourd'hui, qui nous a pris beaucoup de temps, et une copie d'une notice officielle Super Nintendo, pareil, en qualité de dingue, évidemment. Et ça, c'est le papier d'origine d'FF6man qu'on met avec la console. Alors dans ce pack-là, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai indiqué, il est à gagner, les packs sont déjà prêts, au fur et à mesure c'est en train d'avancer. Ce pack là sera à gagner, mais les autres packs qui seront à mettre en vente, évidemment, ne seront pas des packs customisés, hein. Vous avez vu qu'il y en a deux consoles, une que je garde personnellement et une qui sera gagnée. Les autres packs auront des Super Famicom ou pour les premiers des Super Nintendo Switchless une nouvelle fois, hein. N'oubliez pas Switchless, tout passe dessus, donc ne vous inquiétez pas, que ce soit Super Nintendo ou Super Famicom, au final ça change rien puisque tous les jeux peuvent passer dessus. Donc soyez tranquille, c'est juste que le pack à gagner est une Super Nintendo, comme ça, c'est un côté très très... origine entre guillemets quoi, voilà, original on va dire.
Et pour ça, ça va être un tirage au sort très simple. Ça demande une participation de 3 euros pour ceux qui veulent participer, c'est tout. Et je ferai un tirage au sort live où je mettrai vos noms dans un chapeau et je sortirai votre nom. Un peu comme pour Secret of Mana 2, on avait fait un tirage au sort après avoir fait un pré-concours. Cette fois-ci, il n'y aura pas de pré-concours comme dans le Edgemag 3. Vraiment, vous pouvez, tout le monde peut participer. Je vais vous mettre les modalités, alors je vous le dis pas en vidéo parce que c'est un peu long, mais je vais vous mettre les modalités directement sur le lien. Vous cliquez sur le lien qui est en description et vous atterrissez sur edge.fr et vous pourrez lire les modalités pour pouvoir gagner ce pack là. Une semaine, 10 jours après ce pack là, on fera une mise en vente des packs restants avec les consoles dites classiques. Voilà, en espérant que ça vous fait plaisir. Rendez-vous sur edge.fr pour en savoir un peu plus. Ciao, ciao.